عرض مجمع أكسفورد للأعمال نتائج دراسته على مناخ الأعمال بالجزائر لسنة 2017 بعد استجواب عديد الفاعلين الاقتصاديين الخواص والعموميين بالإضافة إلى عدد من الوزراء وحتى رئاسة الجمهورية. وخلص تقرير المجمع إلى أن الجزائر ستعرف انطلاقة اقتصادية جديدة خلال سنة 2018، وذلك بالاستناد إلى تقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. محمد سعدوي رصد التالي. Bien sûr, il y a des conséquences sociales qui apparaissent dues à cette crise économique, mais il y a des mesures qui sont prises. Et si on regarde l'ensemble des indicateurs économiques, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, 2018 devrait être une année de reprise et de croissance économique. من جانب آخر، صرح مناشر مجمع أكسفورد للأعمال أليكسيس رينود أنه من أكبر المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري وتعطل نمو صعوبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تأخر إطلاق قانون التجارة الإلكترونية. Alors, les différentes recommandations qu'on a pu avoir, c'est notamment au niveau des financements. Plus l'entreprise est petite, plus elle a du mal à accéder au financement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous fait remonter très souvent. Après, je pense qu'il faut aussi accélérer la mise en place de la loi sur le numérique et sur le e-commerce. C'est une loi qui est attendue par tout le monde et qui peut vraiment mettre un coup de boost à un pan entier de l'économie. Énormément d'acteurs dans ce domaine-là, voilà, on déplore un petit peu qu'ils doivent toujours attendre pour que le cadre juridique soit mis en place. Voilà, ça peut débloquer des pans entiers de l'économie. Je pense notamment à l'e-gouvernance, je pense notamment à toutes les entreprises algériennes qui vont être capables de vendre leurs produits sur Internet. كما أفاد مناجر مجمع أكسفورد للأعمال أليكسيس رينود أنه من خلال الأجوبة أو أجوبة رئاسة الجمهورية عن استفسارات المجمع عن الاقتصاد الجزائري، قال بأن رئيس الجمهورية يملك رؤية واضحة عن مستقبل الاقتصاد الجزائري، كما ثمن قراره بعدم اللجوء للاستدانة الخارجية. Il y a des réponses qui sont très détaillées. Vous le verrez d'ailleurs, hein, on vous remettra après l'ensemble des réponses qu'on a reçues de la présidence. Je pense qu'il y a une vision sur l'avenir qui est présente. En tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Il y a vraiment une vision détaillée avec un programme de développement et de diversification de l'économie qui est présente, qui est importante. Il y a des décisions qui sont claires de la part de la présidence. Ne pas faire appel à l'endettement extérieur qui s'inscrit dans la droite ligne politique de l'Algérie qui, je pense, accorde beaucoup d'importance à son indépendance. Voilà. L'Algérie n'a pas envie de devoir rendre des comptes à des institutions internationales parce qu'ils l'ont prêté de l'argent. L'idée, c'est on se débrouille nous-mêmes.